Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Une nouvelle édition présentée par Nelly Manuelli. Bonjour Nelly Manuelli. Bonjour Sabine. Dans l'actualité, cette première au Conseil de sécurité depuis le début de l'agression contre Gaza, une résolution appelant un cessez-le-feu immédiat a été adoptée. L'Algérie a grandement contribué à cet exploit. Le Conseil de sécurité doit garantir l'application de la résolution. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies le souligne dans son intervention. Le Crédit Populaire Algérien est officiellement entré en bourse aujourd'hui. Plus de 80% des actions mises en vente ont trouvé preneur. Production de légumineuses, la stratégie mise en place vise à augmenter les rendements. Nous ferons escale à Oum El Bouaghi. Coup d'envoi ce soir du Festival international du chant soufi à Rouat. Cette 10e édition rendra hommage à Cheikh Sid Ahmed Ben Hurma, la Palestine et l'invité d'honneur. Et en football, la deuxième rencontre des Verts ce mardi à 22h dans le cadre du tournoi FIFA Series. Ils auront l'Afrique du Sud pour adversaire. Madame, Monsieur, bonjour. Une première depuis le début de l'agression israélienne contre Gaza. Une résolution est enfin arrachée au Conseil de sécurité. Elle appelle principalement à un cessez-le-feu immédiat. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Amar Benjamah, a affirmé dans son intervention qu'il était du devoir à présent de l'organe onusien de veiller à l'application de ces décisions. L'adoption de la résolution d'aujourd'hui n'est que le début du chemin vers la réalisation des aspirations du peuple palestinien. L'Algérie espère voir toutes les parties respecter cette résolution pour que cesse, séance tenante et sans condition, l'effusion de sang et les souffrances. Il est du devoir du Conseil de sécurité de garantir l'application de ces résolutions. Une résolution adoptée par tous les membres du Conseil, excepté les États-Unis qui se sont abstenus, fait inédit. Cette victoire est à mettre à l'actif de l'Algérie, appuyée par les autres membres élus. L'Algérie qui a mené de longues et difficiles tractations pour arriver à ce résultat traduit une nouvelle fois la force de son action diplomatique. Sophia Boukercha. Une réalisation qualifiée d'exploit diplomatique, convaincre le Conseil de sécurité et surtout les États-Unis de ne pas utiliser leur droit de veto n'est pas une mince affaire, c'est même une action rare, affirme Nourdine Djoudi, ancien diplomate. Il a réalisé un véritable coup de maître après les différents vétos qui nous ont empêchés d'avoir cette résolution. Celle qui a été présentée aujourd'hui par l'Algérie a obtenu le oui de tout le monde. Même les États-Unis n'ont pas opposé leur veto. 14 membres sur 15, c'est un fait rare. C'est une performance extraordinaire. Cette résolution est un grand succès parce que c'est un premier pas positif qui va déclencher une cessation définitive de l'usage des armes contre Gaza. Son mandat au sein du Conseil de sécurité n'est pas seulement symbolique. L'Algérie est revenue plusieurs fois et avec insistance pour défendre la cause palestinienne. Professeur Mahlouf Sahel, expert en géostratégie. Notre pays n'a pas cessé de plaider haut et fort, notamment dès le début de son mandat en tant que membre non permanent, la cause palestinienne, comme il l'a toujours si bien fait. Le projet de résolution qui a été présenté par notre pays et le discours mémorable qui a été lu par notre représentant, le projet de résolution a pu bénéficier d'un soutien de 14 pays, ce qui n'est pas aisé à réaliser au niveau du Conseil de sécurité. Il y a tout un travail de fond qui est fait. C'est un résultat extrêmement important sur le plan diplomatique. Une réalisation qui témoigne de la performance de la diplomatie algérienne. Hossein Merlaoui, ancien diplomate, se félicite du travail accompli. L'équipe qui est à New York a fait un excellent travail. Cette équipe a été mobilisée tout le temps. Ils ont été vigilants. Ils ont su surmonter tous les obstacles et il y a eu beaucoup d'obstacles. L'Algérie a fait son devoir. C'est le retour en force de la diplomatie algérienne qui, une fois de plus, a démontré son efficacité dans la défense des causes justes. L'adoption de la résolution a été saluée par de nombreux pays, y compris en Occident, des organisations internationales et surtout les parties palestiniennes qui ont exprimé leur reconnaissance quant à l'action et au soutien infaillible de l'Algérie pour la cause palestinienne. Comment les habitants de Gaza ont-ils accueilli le vote? Élément de réponse avec le journaliste Yahya Yaroubi. Il répond depuis Rafah à Karima Bnour.
Les Gazaouis ont bien accueilli la résolution pour un cessez-le-feu immédiat, mais ils demandent qu'il soit définitif parce que les gens sont fatigués de la guerre, des génocides qui ne s'arrêtent pas et de manière quotidienne. On se réveille avec les bombardements et on dort avec des enterrements de martyrs. Tout a été détruit complètement et on attend ce cessez-le-feu impatiemment avec le soutien des peuples arabes en ces moments difficiles parce que l'occupation continue d'exécuter ses plans macabres. L'analyste et ancien ministre palestinien Amjad Shihab qualifie de victoire le vote du Conseil de sécurité. C'est une victoire pour la Palestine. Le Conseil de sécurité a essayé de faire ça depuis plus de 5 mois. L'importance de cette résolution, c'est une résolution sans condition. Le projet des États-Unis, c'était lié à la libération des otages entre les mains de la résistance palestinienne et de faire porter la responsabilité à la résistance palestinienne s'il ne libère pas les otages et donne une légitimité à l'occupation israélienne de continuer ces massacres. C'est une avancée dans la bonne direction. Il reste l'application de cette résolution et c'est un défi pour le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité doit justement agir pour faire respecter ses décisions. Il en a les moyens, explique Gianfranco Fattorini, président de l'Association internationale des juristes. Il répond depuis Genève à Rabea Slimani. Les résolutions du Conseil de sécurité sont contraignantes. En général, quand le Conseil de sécurité prend des décisions de ce type, en amont, c'est déjà dans les discussions de couloirs qui va mobiliser des troupes, qui va se trouver sur le terrain. Là, malheureusement, on n'en est pas encore là. Maintenant, les discussions doivent commencer pour savoir comment la faire appliquer. Il appartient surtout aux 5 membres permanents du Conseil de sécurité d'assurer l'application, trouver coalition de pays qui acceptent d'intervenir physiquement sur le terrain. Ils ont les moyens d'adopter des sanctions, oui. Comme dans beaucoup d'autres cas, déjà l'interdiction de la vente d'armes, le gel des avoirs, éventuellement la création aussi d'un tribunal pénal spécial. Il y a beaucoup de positions qui peuvent être prises par le Conseil de sécurité. Israël n'a vraisemblablement pas l'intention de se conformer au droit international, d'où la nécessité d'une mobilisation au sein du Conseil. Israël, il faut s'en souvenir, c'est le seul État membre des Nations Unies qui a été créé par l'Assemblée générale des Nations Unies. Et pourtant, depuis des décennies, n'accepte pas que ce soit le Conseil de sécurité ou l'Assemblée générale ou à l'époque la Commission des droits de l'homme, maintenant le Conseil des droits de l'homme. Il y a des dizaines de résolutions qui demandent à Israël de respecter le droit international par rapport au territoire palestinien, mais il pense pouvoir s'affranchir du droit international. Maintenant, c'est à la communauté internationale de faire comprendre à Israël qu'il doit respecter les décisions des Nations Unies, de l'Assemblée générale, du Conseil de sécurité. Et en attendant, le carnage se poursuit. Israël fait la sourde oreille. Son armée continue de bombarder des civils, y compris les malades ou ceux qui se sont réfugiés dans les hôpitaux, à l'instar de l'hôpital Ashifa, Saad Beyrouti, journaliste à Gaza. Les hôpitaux de Gaza souffrent toujours. Les soldats sionistes continuent de tuer les malades. Dans les salles de soins intensifs, ils tuent les enfants prématurés. Ils ont défoncé les ventres des femmes enceintes. Plusieurs femmes ont été violées à l'intérieur des hôpitaux. On est loin de citer toutes les atrocités. Ils ont tué des cadres de la santé. Et il est sans doute que la résistance fait toujours face toute seule à la machine de guerre sioniste. Les pertes de l'ennemi en vies humaines et en matériel de guerre sont énormes. Ils cachent les vraies statistiques. Parfois, des fuites d'informations parlent de soldats qui sont transportés vers l'hôpital Soroka à l'intérieur de l'entité sioniste, qui savent très bien dans quelle situation terrible ils se sont retrouvés. La résistance est fidèle à tous les sacrifices de la population de Gaza. Des propos recueillis par Kerima Bnour et à noter cette conférence de presse qui doit être animée cet après-midi par le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf. Nous aurons à y revenir. En prévision des prochaines élections présidentielles anticipées, l'installation ce matin de la Commission électorale nationale du mouvement Elbina. Elle est composée de 13 représentants. Le président du parti, Abdelkader Benguerina, a indiqué que le scrutin sera une étape cruciale pour concrétiser les aspirations. Ces propos sont recueillis par Ibtihal Adoun.
En tant que mouvement Agbina, nous appelons les citoyens à participer aux élections présidentielles. C'est une occasion pour renforcer les fondements de la stabilité et de la paix. Nous sommes convaincus que les élections présidentielles de cette année seront décisives pour aspirer à un avenir meilleur, sécurisé et prospère, et définiront clairement les caractéristiques de l'Algérie. Notre vision au sein du mouvement Agbina est claire, soutenir la stabilité institutionnelle. C'est acté, le CPA Crédit Populaire Algérien est entré en bourse. Aujourd'hui, un montant de 112 milliards de dinars a été levé à l'issue de l'opération de mise en vente des actions à l'Imbokadoum. Le retentissement de la cloche annonce le lancement officiel de la cérémonie de cotation du CPA en bourse. Il s'agit de créer une dynamique financière et diversifier les instruments pour rendre attractive la levée des fonds grâce au financement direct. L'Aziz Fayed, ministre des Finances. L'introduction du CPA en bourse est un pas important qui consolide l'engagement de l'État à soutenir et développer le secteur financier, et ce conformément aux engagements du président de la République qui vise à renforcer l'économie nationale. La décision d'établir une réforme financière pour capter plus de capitaux a apporté ses fruits, puisque 81% du capital de 60 millions d'actions mises en vente a été écoulé, particulièrement par les personnes physiques. Yezid Benmouhoub, directeur général de la Bourse d'Alger. Cette opération a été un franc succès. Il y a eu un engouement exceptionnel de la part notamment des particuliers, puisqu'on assiste à près de 188% de souscriptions sur le segment A, celui des particuliers, et sur le montant global qui était initialement 138 milliards de dinars qui devaient être levés. Nous avons levé plus de 112 milliards. Donc sur le global, nous avons réalisé plus de 81% de souscriptions, tous segments confondus. La restructuration de la scène financière et la redynamisation de la bourse est dans le but d'avoir une attractivité économique, diversifier les instruments de financement des investissements et garantir une bonne gouvernance des entreprises. Développement local avec ses programmes complémentaires alloués aux wilayas en quête de projets, un total de 409 milliards de dinars pour les wilayas de Khenchla, Tindouf, Djelfa et Tismsilt, un montant qui sera revu, explique le directeur général des collectivités au ministère de l'Intérieur, extrait de l'invité de la rédaction. Les programmes complémentaires qui ont été alloués aux quatre wilayas, ils ont surtout une connotation économique, sans omettre bien sûr la mise à niveau en termes d'infrastructures. Pour Tindouf, ils ont un problème de prise en charge sur le plan de la santé, donc il y a eu des projets, notamment l'hôpital de Sassantli qui a été inscrit. Et puis, nous avons également tous les problèmes liés au manque de la ressource hydrique. Pour Tismsilt, le problème de Tismsilt, c'est l'enclavement. Mais sans omettre également les autres secteurs. D'ailleurs, le chiffre 409 milliards, ce sera un peu plus possible. Qu'il y aura une petite rallonge qui sera donnée à la wilaya de Tismsilt, puisque monsieur le président de la République a décidé d'augmenter le nombre d'aides à l'habitat rural. Les pouvoirs publics mettent le paquet pour augmenter les rendements agricoles, notamment en ce qui concerne les légumineuses. À Oum El Bouaghi, il y a eu l'emblavement de plus de 1000 hectares. Nasser Benissam. Au niveau de la wilaya d'Oum El Bouaghi, le plan campagne légumineuse alimentaire 2023-2024 comprend, d'après l'objectif arrêté par le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, l'emblavement de 1000 hectares. Sur le terrain, il est surtout question de lentilles de pois chiches. Henk Farhat, chargé de la gestion de la direction des services agricoles de la wilaya. Dans le cadre du développement des légumineuses alimentaires, les emblavures à ce jour pour les lentilles, 371 hectares, ont été emblavés dans 220 par les fermes pilotes et 150,8 hectares par les privés. Pour le pois chiche, la superficie est de 271 hectares, dont 250 par les fermes pilotes. Les communes de Sugis, Oulad Hamla et Rinmela, toutes situées à l'ouest de la wilaya, enregistrent la majorité des superficies emblavées. S'agissant de rendement, c'est les dernières campagnes ont donné une moyenne de 7 quintaux à l'hectare pour les lentilles et 3 quintaux à l'hectare pour le pois chiche. De Oum El Bouaghi, Nasser Benissam, Al-Jishin 3. Bassirou Faye est en passe de devenir le plus jeune président du Sénégal. Il a assuré lors de sa première sortie médiatique que son pays resterait l'allié sûr et fiable de tous les partenaires étrangers respectueux. Il a entre autres annoncé la réappropriation de la souveraineté nationale. Depuis Dakar, on écoute l'éditorialiste Babacar Justin Diaye. Il est contacté par Rabea Slimani.
Il veut que ce soit clair. Il ne s'agit pas de virer tout le monde ou de chasser tout le monde. Maintenant, nous avons un objectif patriotique. Nous voulons que les accords que nous signons soient des accords équitables et bénéfiques aux parties contractantes, mais que nous ne voulons pas des accords qui maintiennent, par exemple, notre monnaie dépendante du trésor français. C'est une explication de texte, ce que nous entendons par patriotisme, ce que nous entendons par renégociation des accords passés. Par exemple, il y a des scandales dans ce qui a été fait par rapport au pétrole avec l'exploitation prochaine du pétrole et du gaz sénégalais. Ces contrats-là, c'est des contrats léoniens qui ne servent pas les intérêts du Sénégal et qui feront partie des premiers contrats à rediscuter, à négocier. Fayé promet par ailleurs de mettre fin aux souffrances du peuple sénégalais qui a fait le choix de la rupture. C'est la fin d'un cycle qu'il y a eu, que le peuple sénégalais, la jeunesse sénégalaise a imposé et a ouvert les portes pour une nouvelle génération. Alors, Bassirou Faye, qui est devenu président, ils ne sont pas venus pour dynamiter la CEDEAO ni l'Union monétaire africaine, etc. Parce qu'ils sont panafricanistes, mais ils ont dit qu'il y a certaines pratiques plus politiques et politiciennes dans ces organisations sur lesquelles nous voulions jeter un regard sur l'attitude de la CEDEAO par rapport d'abord au régime et à la gouvernance politique des États membres. Des propos recueillis par la BA, Slimani, un événement très attendu par les amateurs du chant soufi, le 10e festival international dédié au Sama s'ouvrira ce soir à Al-Rouat. Cette édition rendra hommage à Cheikh Sidi Ahmed Ben Hurma et aura la Palestine pour invité d'honneur. Le commissaire du festival Ahmed Ben Sarir au micro de Saïd Warden, notre confrère à la station locale. Cette édition a pour slogan le Sma Soufi, l'hymne de la résistance et la mélodie de la révolution, puisqu'elle coïncide avec le 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération. Il y a également la symbolique de l'étreinte entre le drapeau algérien et son étoile, et son croissant rouge sang, celui de nos martyrs avec le dôme du rocher, pour rappeler que l'Algérie soutiendra toujours la cause palestinienne. Ce festival coïncide avec le centenaire de la disparition de Cheikh Sidi Ahmed Ben Hurma. C'est l'occasion de rendre hommage à ce personnage qui a eu une grande contribution dans le Sma Soufi, paroles et compositions, mais aussi l'école Sama relevant de la Tariqa Qadiriya. 16 pays seront donc représentés au Festival international du chant soufi, près de 300 participants au spectacle, mais également aux conférences débats. On passe à l'actualité sportive footballistique avec vous, Nassima Djaout. Bonjour Nassima. Bonjour Naliman. Et la deuxième rencontre des Verts ce soir dans le cadre du tournoi FIFA Series. Algérie, Afrique du Sud, ce soir à 22h au stade Nelson Mandela de Barari. Les Verts ont l'ambition d'enchaîner avec une deuxième victoire après leur succès arraché vendredi dernier face à la Bolivie 3-2. Les Verts face à la Bolivie, c'était le tout premier match du nouveau sélectionneur bosnien Vladimir Petkovic. Les coéquipiers du capitaine Aïssa Mandi défieront cette fois-ci un adversaire d'un autre calibre puisqu'il s'agit de l'équipe qui a terminé sur le podium, troisième lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, mais les Sud Africains ont été quand même tenus en échec jeudi dernier par Andorre. Un but partout au stade du 19 mai 56 de Annaba. C'était toujours dans le cadre de la première journée du tournoi FIFA Série 2024. Sur le plan de l'effectif, eh bien, il y aura des absents. Lami Ben Sebaini blessé. Hicham Boudaoui et Ismaël Benassa libérés avant le premier match face à la Bolivie. Puis pour blessure, bien sûr, alors que l'attaquant Amin Gouiri a été autorisé à quitter le stage pour un empêchement familial. Je rappelle également qu'il y aura un trio arbitral tunisien dirigé par Emir Lossif. Je rappelle qu'hier, lors de la deuxième journée de ce tournoi, la Bolivie s'est imposée hier face à Andorre, 1-0. Ça s'est passé à Annaba. Merci Nassima, merci Ardouane Siassi qui était à la réalisation et Karamo Streaming. Il y avait Sadir à la console technique et Nesrine à la régie d'antenne. Tout de suite, le bulletin météo, une perturbation. Karima Abdelmour.